Je m'appelle Lucie, je suis étudiante en communication et vous écoutez l'émission « La communication vient en parlant ». C'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication et ça, une conversation à la fois. Avez-vous déjà travaillé sur un projet impliquant des personnes issues de diverses organisations et milieux où chacun a ses propres intérêts? Avez-vous réussi à répartir l'autorité au sein de l'organisation de manière légitime? Et comment cette hiérarchie a participé à la réussite ou non du projet? C'est les questions que l'on se pose aujourd'hui dans l'émission. Le texte du jour explore les évolutions majeures dans les secteurs philanthropiques et communautaires au cours des dernières décennies. Il met en avant le développement de ces secteurs d'activité, mais aussi une baisse de leurs moyens financiers. On note également un changement de pensée caractérisé par une approche plus centrée sur les bénéficiaires. De ce contexte va naître la professionnalisation du bénévolat, conduisant à la formation des super bénévoles. Ces super bénévoles se distinguent par leur qualité altruiste, leur volonté à s'engager, leur niveau d'éducation, ainsi que leur expérience dans le domaine de l'association au sein de laquelle ils opèrent. Malgré des recherches antérieures sur les super bénévoles, leur motivation et le rôle qu'ils jouent dans les organisations à but non lucratif ont été nettement minimisés. Le texte propose alors un nouvel angle d'analyse en se concentrant sur les relations entre employés et bénévoles. L'étude relève que l'émergence des super bénévoles provoque une renégociation de l'autorité au sein des organisations. Ces super bénévoles acquièrent une nouvelle place dans la hiérarchie de l'organisation vis-à-vis des employés et la direction des organisations à but non lucratif avec lesquelles ils collaborent. Cette situation remet en question les relations traditionnelles entre les employés et les bénévoles et bouscule les dynamiques relationnelles et le système d'autorité au sein de ces organisations. Ces transformations remettent également en question la hiérarchie traditionnelle et la répartition des missions, soulignant les limites entre le bénévolat et le salariat. En fin de compte, l'identité professionnelle des super bénévoles joue un rôle clé dans la renégociation de l'autorité comme pratique communicationnelle au sein des organisations à but non lucratif. Selon Taylor et Van Evry, on distingue deux types d'autorité. L'autorité d'expertise, qui repose sur les connaissances, et l'autorité de position, qui est liée au rôle officiel dans l'organisation. Le plus souvent, les super bénévoles exercent l'autorité d'expertise, alors que les employés pratiquent l'autorité de position, en tant que gestionnaire des bénévoles. Cette distinction peut provoquer des conflits d'autorité et des négociations sur la répartition des rôles et des pouvoirs. L'organisation elle-même est une source d'autorité pour ses représentants, qu'il s'agisse de super bénévoles ou d'employés. L'alignement entre les actions individuelles et les objectifs de l'organisation renforce la légitimité de chacun. L'autorité est construite collectivement à travers un processus de représentation impliquant des acteurs humains et non humains. Cette approche de communication organisationnelle constitutive relève la manière dont l'autorité est constituée et négociée au sein des organisations à but non lucratif, soulignant l'importance des interactions et des récits dans la construction de l'autorité organisationnelle. Les auteurs ont mené une recherche ethnographique sur 4 comités organisateurs de relais pour la vie. Des événements de levée de fonds pour la Société canadienne du cancer de janvier à juillet 2019. Cette recherche a utilisé une approche de la communication organisationnelle constitutive pour examiner comment le bénévolat est organisé au sein de ces relais. L'équipe de recherche a accumulé une grande quantité de matériel empirique, dont environ 200 heures d'enregistrement audio et vidéo, plus de 800 pages de notes de terrain, 31 entretiens individuels et presque 130 observations de contenu numérique. Ces ressources ont été analysées pour identifier des logiques d'action, dont l'une est le phénomène de la professionnalisation, qui a conduit à l'émergence de la nouvelle identité des super bénévoles. Les super bénévoles sont reconnus par leurs homologues et par la Société canadienne du cancer comme des experts dans leur domaine. L'article nous présente l'étude d'un comité organisateur composé de bénévoles, dont les deux coprésidentes Marie-Cécile et Gabrielle, ainsi qu'un agent de développement Nathan. Les comités organisateurs sont supervisés par des employés, que l'on nomme agents de développement, qui font partie de la Société canadienne du cancer. Ce sont généralement des jeunes diplômés qui ont peu d'expérience. Leur rôle officiel est de soutenir les bénévoles et de s'assurer que les événements sont à l'image de la Société canadienne du cancer. Ils doivent aussi souvent assumer des responsabilités non assurées par les bénévoles. La réunion virtuelle étudiée aborde le rôle du porte-parole du relais pour la vie.
L'Anaïs soulève plusieurs points liés à la négociation de l'autorité au sein du groupe. Gabrielle exerce une autorité dite implicite, qui se remarque par la fréquence à laquelle elle prend la parole et sa position d'autrice principale. Elle intervient fréquemment dans les discussions et les membres de la réunion semblent accepter son autorité en tant qu'experte. Nathan, étant un nouvel employé, se réfère davantage à l'expérience des coprésidentes. Le discours de Gabrielle est renforcé par le processus d'autorisation qui fixe l'autorité lors d'interactions sociales. Il implique l'utilisation de plusieurs figures d'autorité pour soutenir l'autorité de Gabrielle. Les coprésidentes s'accordent pour diriger le discours en utilisant le « on », qui unifie leur voix et en approuvant mutuellement leur discours. Ce processus d'autorisation participe au renforcement de leur voix et de leur autorité d'expertise, le tout en diminuant celle de Nathan. Nathan entretient la même méthode pour soutenir ses arguments, mais l'approbation de Gabrielle renforce davantage son autorité. Selon l'analyse des chercheurs, elle prend le rôle de sauveuse et Nathan a le rôle du sauvé. L'apparition de la nouvelle identité professionnelle des super bénévoles représente un enjeu majeur pour les pratiques organisationnelles et les dynamiques relationnelles. Les super bénévoles, bien qu'experts, n'occupent pas de position formelle, ce qui nécessite de redéfinir les rôles et les relations au sein des organisations. Cela crée une forme de contradiction pour les employés qui travaillent avec eux. En effet, ils doivent agir comme des gestionnaires sans avoir une véritable autorité, légitime ou un statut pour le faire efficacement. Et pour continuer à discuter de ce texte, je vous présente Ferroutier, étudiante au doctorat de communication à l'UQAM et co-autrice de l'article « La renégociation de l'autorité comme pratique communicationnelle, l'exemple de comité bénévole ». Moi, dans le cadre de la fin de mon bac et de ma maîtrise, je me suis intéressée beaucoup avec mon groupe de recherche à ce qui s'est passé au sein des comités organisateurs de bénévoles qui organisaient des levées de fonds pour une OBNL. Et en fait, nous, quand on a une approche qui est communicationnelle et principalement qui adopte une approche de la communication constitutive des organisations, ce que ça prend pour acquis, en fait, c'est que la communication ne sert pas seulement à échanger de l'information, donc c'est pas seulement un outil qui est informationnel ou fonctionnel ou instrumental, si on veut, il sert aussi en fait à constituer les organisations. C'est-à-dire que quand on parle, on ne fait pas juste envoyer de l'information, transmettre de l'information, on est en train d'agir, on est en train de performer quelque chose. Et donc, quand on s'est, avec cette approche-là, quand on s'est intéressé au cas des bénévoles qui organisaient des levées de fonds, on s'est rendu compte en fait que quand ils parlaient, ce qu'ils faisaient, c'était négocier de l'autorité. Parce qu'on a bien, comme c'est des bénévoles, ils ont un statut dans l'organisation qui est très différent des employés. Ce sont tous des membres de la même organisation. Par contre, ils ne sont pas liés, ces personnes-là ne sont pas liées aux mêmes accords implicites, ne serait-ce que il y en a certains qui sont salariés et d'autres qui sont bénévoles. Et donc, forcément, le contrat implicite, le contrat social implicite qui régit les relations de ces membres-là dans l'organisation ne sont pas les mêmes. Et en les observant, on s'est rendu compte, en fait, qu'en communiquant, les bénévoles réussissaient à performer une autorité, que ce soit une autorité de position ou d'expertise. Et en performant cette autorité-là, on réussit à négocier cette autorité et à prendre plus d'autorité que les employés qui, concrètement, étaient supposés être des gestionnaires de bénévoles. Donc, sur papier, en théorie, les employés, ce sont les gens qui ont la plus grande autorité, puisque ce sont les porte-parole de l'organisation et donc ce sont ces personnes-là qui sont censées devoir encadrer les bénévoles et les aider dans leur travail. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que concrètement, il y a un renversement de ça qui se passe et en parlant, les bénévoles vont mobiliser des figures d'autorité, que ce soit d'expertise ou de position, qui vont consolider leur autorité par rapport aux employés. Et il y a vraiment un balancement de l'autorité, donc un renversement où les bénévoles vont avoir plus d'autorité que les employés. En gros, c'est à peu près ça qu'on s'est rendu compte. Et pourquoi c'est pertinent, en fait, de prendre une approche communicationnelle? Ben, c'est tout simplement qu'on part du présupposé de base que c'est en communiquant qu'on s'organise. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un angle d'approche communicationnelle pour analyser ces dynamiques-là. Très bien, merci. Et est-ce que tu peux nous parler du coup des limites de ton étude de cas et les domaines de recherche
que tu penses pertinent pour approfondir justement la compréhension des dynamiques de pouvoir et d'autorité au sein de ces organisations? Ben comme c'est sûr, en termes de limites, ça reste une étude de cas, donc c'est toujours difficile d'être généralisable. Mais c'est tout, donc en termes de validité du cas, c'est très riche parce qu'on a énormément. C'est une observation qui est en profondeur. Le comité, je les ai suivis pendant 6 mois. J'ai assisté à toutes leurs réunions, donc j'ai une compréhension de ce comité-là qui est vraiment excellente. Par contre, c'est un comité. Donc oui, en tant qu'équipe de recherche, on en a suivi 4. Donc c'est plus qu'un seul, mais ça reste que c'est une seule organisation dans un seul contexte, dans un seul moment, dans une seule culture organisationnelle. Donc, c'est sûr que ça serait pertinent, de voir si dans d'autres contextes, dans d'autres milieux, dans d'autres organisations, les mêmes dynamiques seraient à l'œuvre. En tant qu'équipe de recherche, on pense que oui, parce qu'on a fait d'autres terrains dans d'autres organisations qui prêteraient vraiment, dans le fond, au même constat. Par contre, c'est sûr qu'en termes de généralité, c'est peut-être moins évident. Donc, il faudrait approfondir avec plus de terrain et tout ça. Mais on le fait, puis ça avait l'air quand même assez transversal. Mais la richesse et la finesse de l'analyse de ce cas-là en particulier, ben, l'étude de cas, ça a le défaut de ses qualités. C'est très, très riche sur un cas en particulier. Par contre, c'est ça, c'est plus difficile d'être généralisable. Je pense qu'il y avait une deuxième partie à ta question que j'ai oubliée. Est-ce que tu as besoin Bah de... justement, c'était comment approfondir cette compréhension des dynamiques de pouvoir et d'autorité. Ouais, donc en faisant, moi je pense qu'en faisant les études de cas, c'est cumulatif. Plus t'en fais, plus tu comprends le phénomène à l'étude, plus tu diversifies tes terrains, plus tu le fais dans des milieux différents, plus tu peux voir s'il y a vraiment des enjeux qui sont transversaux et qui se retrouvent dans n'importe quel milieu et dans n'importe quelle culture organisationnelle. Et ces terrains-là aussi ont été faits juste avant la COVID et le milieu des OBNL a été extrêmement transformé, extrêmement affecté par la COVID parce que ce sont des milieux où la sociabilité et la relation est très importante et le bénévolat qui est fait virtuellement. C'est pas du tout la même chose et ça engendre beaucoup plus d'enjeux. Et donc, comme la relation est en ligne, tout porte à croire en fait que peut-être la pandémie a aussi changé beaucoup de choses. Donc, ce serait peut-être aussi pertinent de revoir après l'effet pandémique, il y a un avant et un après, si c'est des choses qui ont vraiment évolué. Ça pourrait être super pertinent aussi à ce moment-là. Ok, c'est vraiment intéressant. Et du coup, est-ce que tu as identifié, pardon, des bonnes pratiques ou des recommandations pour les organisations qui veulent gérer efficacement les relations entre les super bénévoles et les employés? Oui, ben nous, c'est sûr que en fait, simplement de sonner, de faire une petite sonnette d'alarme en disant il y a ce débalancement-là, il y a cette renversement de vapeur-là dans l'autorité, et les employés peinent vraiment beaucoup à mobiliser de l'autorité et perdre de l'autorité face aux super bénévoles. Ce qui, en fait, les pose dans une situation d'injonction paradoxale. C'est-à-dire, en tant qu'employé, tu dois encadrer les bénévoles, tu dois leur dire quoi faire et tu dois les soutenir, mais en pratique, tu n'as pas les ressources et tu n'as pas l'autorité pour le faire. Donc, les employés se retrouvent dans une situation qui est vraiment difficile à gérer et qui mène. Nous, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés en burn-out parce que c'est très difficile de faire en fait ta job quand tu n'as pas les outils pour le faire. Donc, simplement en fait que les organisations déjà soient au courant qu'il y ait cette tendance-là en ce moment qui soit créée par la professionnalisation du bénévolat et qui dépossèdent de leurs moyens un peu les employés, de prendre conscience de ça, c'est de s'intéresser à ce phénomène-là et peut-être essayer de donner plus de soutien et de ressources aux employés pour essayer de contrebalancer en fait ce débalancement-là. Je pense que c'est déjà une chose qui est vraiment très importante, c'est de donner plus de soutien aux employés et qui gèrent en fait, qui sont supposés gérer les bénévoles. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Je m'appelle Lucie et n'oubliez pas que la communication vient en parlant.
le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication. Et ça, une conversation à la fois.